Hello, hello, bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver après une petite quinzaine sans vidéo. Me revoilà avec une nouvelle tête, ou presque. J'ai juste coupé les cheveux parce que j'en avais un peu marre de mon carré. Et puis, ben voilà, j'ai décidé de changer de coupe. Je sais pas si vous allez aimer, apprécier ou pas, mais moi, je trouve que ça change un petit peu. Et puis, voilà, c'est juste histoire d'être plus fraîche pour l'été, qui tarde à arriver parce qu'on a que de la pluie actuellement. Mais bon, voilà, cette vidéo et ta mélange de all mode et all beauté. Je vais commencer déjà tout de suite par vous montrer ce que j'ai commandé sur la plateforme Octoly. Je remercie d'ailleurs Bioderma d'avoir accepté de m'envoyer cette eau micellaire que j'ai déjà commencé à utiliser. Ben pour le moment, j'aime beaucoup. J'ai l'habitude de me démaquiller avec un gant. J'utilise de l'eau micellaire avec un peu d'huile dedans. De la solution micellaire comme ça, toute simple, ben j'avais pas été satisfaite de celle que j'avais acheté en grande surface. Ben celle de Bioderma, elle est pas mal, elle enlève vraiment bien le maquillage, notamment tout ce qui est mascara. Donc voilà, pour l'instant je suis très contente d'avoir utilisé ce produit. J'ai également commandé sur la plateforme donc de la crème Diadermine. Voilà, c'est donc tout simplement une crème qui rafraîchit et qui donne un peu de fermeté à la peau. Bon, j'ai pas encore commencé, comme vous avez vu. Avec ça a été envoyé. Voilà, c'est tout simplement en fait un produit un peu pas tout à fait un sérum, mais qui permet en fait de le mélanger avec votre soin et qui permet de rebooster et qui traite les rides. Il y a de l'acide hyaluronique dedans. Merci beaucoup à Diadermine de m'avoir permis de pouvoir commander ceci sur Octoly. Écoutez, je vais tester. Pour l'instant, je vais pas le faire de suite parce que j'ai une autre routine que je vais vous montrer juste après. Voilà, mais sachez que ce complexe qui est procollagène et celui-ci, donc avec cette dose avec de l'acide hyaluronique, d'après ce que j'ai vu sur d'autres chaînes, a l'air de faire son job. Diadermine, franchement, je connais pas, donc ben voilà, à tester. Voilà, on ne sait jamais si ça peut aider au niveau des rides, pourquoi pas. Ça, je me suis commandé, même pas, je me suis pas du tout commandé n'importe quoi, je l'ai acheté chez Action parce qu'il n'y en avait plus en grande surface. Apparemment, ça a l'air d'être assez sympa au niveau shampoing sec. C'est la marque Baptiste. Vous avez probablement dû le voir. Je l'ai pas payé très cher chez Action. Voilà, je le teste parce que d'habitude, moi, les shampoings secs, ça fait pas très longtemps que je les utilise. J'avais déjà tenté il y a quelques années. Là, j'en ai réutilisé quand j'avais mon carré, mais bon, voilà. Je vais tester celui-ci parce que on m'en a dit du bien, une copine. Donc voilà, je vais tester. Ça coûte rien. Je me suis également acheté ce crayon de chez Clarins, qui est en fait un crayon qui vous permet, donc par exemple celui-ci, de faire le contour des lèvres. Les autres, par exemple, ça c'est le prune, voilà, le prune sert à faire les yeux, le noir les yeux, et puis il y a aussi un vert jade pour les yeux. Alors comment ça fonctionne? Il faut tout simplement donc appuyer ici sur la couleur que vous désirez. Ça laisse sortir une espèce de mine. Pour faire sortir en fait le bout qui vous permet l'application, il faut tourner comme ceci. Voilà, vous voyez la mine en train de sortir tout doucement. Voilà, hop,
Et là, vous pouvez faire l'application que je vais vous faire par exemple ici. Ça, c'est le noir, voilà. Alors par contre, j'ai essayé déjà le vert jade, ça tient super bien. Là, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est du clarins, c'est super super sympa. Moi, j'ai déjà utilisé leur crayon, et c'est vrai que leur crayon pour les yeux, ça tient super bien. Donc ça, les lèvres, j'ai pas encore testé, les autres couleurs non plus, mais en tout cas le vert, ça donne un très joli rendu. On peut l'estomper ou pas, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Eh bien, je suis allée chez Kiko parce que je veux vous faire un tuto maquillage avec les produits Kiko, avec les doigts, avec peu d'argent, on peut faire du joli maquillage. Donc là, j'ai pris en fait, voilà, ce fard à paupières qui est un genre de prune avec un rose, on va dire un peu tirant sur le pêche, mais très léger. C'est le numéro 13. Je pense qu'il est un petit peu pailleté, donc à utiliser peut-être mesurément, mais voilà, un tuto va vous être mis en ligne très rapidement. Toujours chez Kiko, donc ça, c'est la nouvelle gamme en fait. Vous avez vu, c'est tout doré. Ça s'appelle Gold Wave. Alors ça, c'est le Corail Sunset. Regardez-moi cet emballage. Digne d'une grande marque. Voilà le packaging, il est pas mal du tout. Ça, c'est tout simplement un fard à joues, voilà, qui va être de cette couleur. Donc, je pense très sympathique à utiliser. Toujours chez Kiko, j'ai pris des rouges à lèvres mat. Voilà, alors j'ai pris le numéro 4 et le numéro 7. Alors le numéro 4 est rouge, d'ailleurs c'est celui que je porte, parce que du coup je l'ai testé, donc voilà, il est comme celui, comme ceci, voilà. Là vous allez mieux voir. Voilà, le packaging est doré, il y a le petit aimant, hop, pour la fermeture. Et donc le numéro 7 que je vais vous montrer également, voilà, et plutôt vieux, enfin je sais pas si c'est vieux rose d'ailleurs, on va dire c'est plutôt un genre de prune, voilà, il est pas mal non plus. Pareil avec le petit aimant. Et puis ben, j'ai pris toujours pour ce fameux tuto maquillage Kiko un mascara. Alors le mascara, je connais pas de chez Kiko, donc on le testera ensemble pour voir ce qu'il donne. Je l'ai pris noir, hein, basique, donc à voir ce que ça va donner. Quant à ma routine peau, en ce moment je teste tout simplement la marque Maje. Alors c'est la marque qui m'a proposé de recevoir leurs produits, je les remercie parce que c'est quand même des produits qui sont très très chers. D'ailleurs un concours va être mis sur Instagram, donc restez connectés et suivez-moi sur Instagram si vous voulez gagner la gamme. Donc là j'ai reçu la crème donc anti-âge. Voilà, qui peut être mise, voilà, tout simplement comme toutes les crèmes. Je cherche mes mots, je sais pas quoi dire en fait. J'ai également, toujours de la même marque, reçu le sérum. Donc ça aussi, il sera à gagner. Et un sérum contour des yeux. Voilà, donc sérum contour des yeux, un sérum avant l'application de la crème, et la crème, ça y est, je sais ce que je voulais vous dire, qui peut être mise, autant que je me souvienne, matin comme soir. Voilà, donc a priori, les personnes qui sont en train d'essayer en sont super ravies. Moi, ça fait que quelques jours, donc du coup, je vous ferai une restitution par rapport à ça sur cette chaîne, mais également sur Instagram. On passe tout de suite au All Mode.
Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé de joli pour être porté? Alors, le temps est pourri, je pense que tout le monde a la même chose, mais j'ai trouvé quelques petites choses sympathiques chez H&M. Donc déjà, un petit haut que l'on peut donc porter avec épaules nues, donc blanc avec un retour manche élastiqué, donc blanc rayure, on va dire marron, orangé, voilà, il est très léger, très sympa. Là j'ai pris du 46, je pense que c'est même grand, j'aurais pu prendre du 44 parce que sa taille est quand même assez grand, et il fait 24,99. Voilà, très très jolie pièce qui arrive au niveau des hanches, donc assez sympa pour on va dire le côté couvrance un petit peu de des hanches. Un petit foulard qui va me permettre avec cette coupe de le mettre de manière avec le petit nœud haut, de manière à voilà changer un petit peu et pas rester tout le temps avec la même tête. 7,99€. Voilà, il est satiné noir avec des petits dessins blancs, voilà, c'est assez sympa. Je vais vous montrer également un t-shirt toujours chez H&M. Voilà, en coton lin avec des manches trois quarts. Alors j'en avais un comme ça, mais manches courtes. Donc voilà, ça, vu le temps, ça va me permettre de le mettre avec jean, pantalon noir, super sympa. Hein. Et alors là, le prix, comment vous dire, 5,99€. Voilà, alors il taille grand. J'ai pris un XL parce qu'il n'y avait plus de L, mais vraiment, voilà, il taille grand. Il a une petite poche devant. Pareil, il arrive au niveau des hanches, donc il couvre en partie les fesses. Donc super sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai trouvé une jolie robe noire qui est super sympa. Voilà, elle fait 24,99€. Elle a un petit peu de manches, un peu pas volonté, mais un peu large. Donc ça couvre les bras. Donc moi j'adore. Devant, voilà, devant c'est une encolure V. Voilà, à la taille, elle est élastiquée, mais il y a une ceinture. Voilà, qui est ici, donc vous pouvez la mettre avec ou avec une ceinture peut-être un petit peu plus, on va dire, ou de couleur, ou une que j'ai par exemple qui est argentée avec qui ça irait très très bien. Et bien sûr, comme on adore les robes avec des poches, et ben celle-ci elle a des poches, c'est aussi ça qui m'a fait craquer. Voilà, elle est super sympa, elle arrive un tout petit peu en dessous du genou, mais elle est vraiment, elle tombe, on dirait du crêpe en fait. Donc au niveau du tissu, c'est vraiment mais super agréable à porter. Enfin, de toute façon, vous verrez des photos sur Instagram dès que je la mettrai, parce qu'elle est vraiment super sympa. Et puis maintenant, je vais vous montrer mon coup de cœur, vraiment que j'ai craqué dessus. C'est la marque Méliné. Voilà, et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Vous vous doutez que c'est des chaussures. Eh ben, c'est pas vraiment, vraiment, vraiment des chaussures. C'est des baskets. Regardez-moi ces beautés avec des clous. Alors là, comme ça, vous allez me dire, ouais, bon, ok. Regardez, c'est vraiment super. Alors, c'est une marque italienne. Les deux chaussures, outre le fait qu'elles sont super bien emballées, comme vous pouvez le voir, sont des chaussures en cuir. C'est des sneakers, en fait. Voilà, de ce côté, toujours les clous. Et regardez l'autre côté, ce que ça donne. Donc voilà, en fait, la paire est comme ça. D'un côté, il y a donc un petit cœur avec des petits poils dessus. Il y a un petit bijou. Voilà, une petite fourmi. C'est marqué « Love the Red ». Et de ce côté, « For Bad Girl ». Avec une coccinelle et une étoile scintillante. Alors, pourquoi je les ai prises? Un, parce qu'elles sont ultra méga confortables. Ça, c'est déjà un atout. Deux, elles sont en cuir.
3 parce que c'est italien et que voilà, j'adore les chaussures soit portugaises soit italiennes parce que voilà, je sais que c'est de la qualité. Le confort y est, donc aucun regret. C'est une marque qui fait des modèles mais absolument génial, géniaux, vraiment géniaux, j'allais dire que ça ressemble au Golden Goose mais en quand même moins cher. Et je les ai trouvés dans une boutique à Hossegor qui s'appelle la Pierre Bleue, qui ont plein de choses ultra méga originales. Les parisiennes ou les personnes bordelaises qui ont des résidences secondaires à Hossegor vont dans ce magasin et s'arrachent ce qu'elles choisissent parce qu'elle a vraiment un goût sûr pour tout ce qu'il y a dedans, que ce soit des sacs, des chaussures, etc. Puis elle essaie aussi de donner la chance à des créateurs comme Méliné. Voilà, enfin moi j'adore. Elles sont beaucoup moins chères. Alors vous allez me dire ça a un coût, elles sont à 140 euros, mais bon, ça fait juste moitié prix des Golden. Elles sont super originales et le confort, enfin moi franchement par rapport aux Golden, ben, moi je les trouve plus confortables. Voilà, c'est une question de goût. Alors attention, toutes les Golden Goose ne sont pas... enfin, il y a plusieurs modèles, donc le confort est différent par rapport au modèle. Mais moi, dans le modèle comme celle-ci, voilà, ça me va très très bien. Je suis ravie de les avoir achetées et que... voilà, on puisse aussi trouver d'autres choses tendances sans que ça soit porté par des très grandes youtubeuses, blogueuses, instagrammeuses que j'admire, que j'aime, que je salue. Mais voilà, il faut aller aussi vers d'autres marques de qualité et encore, il y a encore moins cher que cette marque Méliné et aussi originale. Donc farfouiné, ça voilà, ça se met avec robe 7/8e short, combi, avec ce que vous voulez, on est confort, c'est génial. C'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on peut plus mettre ce style de chaussures. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit haul, et puis ben je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter si vous aimez, si vous aimez pas, partagez, venez me retrouver sur Instagram, et puis en attendant, adi chats. Thank you.